Triste nouvelle pour le monde du cinéma, Jean-Louis Trintignant est mort vendredi 17 juin 2022 à 91 ans. Au cours de sa carrière, démarrée en 1956, il a joué dans plus de 120 films aux côtés des plus grands. Pourtant, il n'y a pas que dans sa vie professionnelle que Trintignant a pu s'épanouir, puisque dans sa vie personnelle, il a également trouvé le bonheur plusieurs fois, notamment grâce à ses femmes. Sa première épouse était Colette Dacheville, qu'il a épousée en 1954. Tard, elle est devenue Stéphane Audran. Malheureusement, leur mariage ne durera pas longtemps, puisqu'en 1956, les deux acteurs divorcent, notamment en cause de la liaison entamée par Jean-Louis Trintignant avec Brigitte Bardot sur le tournage de « Et Dieu créa la femme ». Sa seconde épouse sera Nadine Marquand, qui deviendra Nadine Trintignant en 1961, avec qui il a eu trois enfants. Il se séparera également de Nadine en cause Romy Schneider. Enfin, en 2000, Jean-Louis Trintignant a rencontré Marianne Hoepmeer. Il s'est marié avec elle. Ils sont restés ensemble jusqu'à la fin de sa vie, donc vendredi 17 juin 2022.